وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Le dernier qui entre au paradis, le dernier du paradis. Il lui a donné comme 10 fois cette terre et tout ce qu'elle contient. Il y a là-bas pour lui tout ce que il fait le plaisir de ses yeux et tout ce que son âme elle désire. Il sait qu'il ne mourra jamais. Il sait qu'il ne tombera jamais malade. Il sait qu'il ne sera jamais triste. Il sait qu'il ne vieillira jamais. Ça, c'est le minimum du minimum du minimum du minimum, le dernier. Alors, c'est quoi les meilleurs degrés? Des palais, des servants. Des servants, c'est des enfants du paradis. Ce n'est pas des enfants de ce monde. Ils ont été créés au paradis comme des perles. Ils sont tellement beaux. Ils sont à ton service. Ici, regarde quand tu vois un petit enfant, comment il est mignon. Tu l'attrapes, tu l'embrasses, tu l'aimes bien. C'est beau, un enfant. Là, c'est les enfants du paradis, spécialement pour être à ton service. C'est tout. Ya ikhwa, wallah al-azim. Si on savait c'est quoi le paradis, mais jamais de la vie, on perd une occasion de construire et d'avancer dans notre paradis. Jamais. Mais combien d'occasions on perd tous les jours? Même au contraire, dans combien de pièges de shaitan et de notre âme bestiale on tombe tous les jours et on construit de notre propre main les châtiments de l'enfer qu'on va avoir. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous pardonne nos péchés.